Sunset Vista. Épisode qui suit l'épisode 15 cette fois-ci. Je ne vous laisse pas en plan pendant 4 mois. Putain de Lost City, mes couilles. Alors en fait, je vais vous avouer quelque chose que vous ne savez pas du tout. C'est qu'en fait, c'est une deuxième prise que je suis en train de faire pour ce tableau. Parce qu'en fait, la première prise que j'ai faite a duré un quart d'heure. Un quart d'heure, je n'ai pas réussi à finir le niveau et j'ai niqué toutes mes vies. Donc je ne sais pas combien de vies je suis là actuellement. 6 vies, d'accord. J'ai pété, je crois, une dizaine de vies au tableau 16. Et donc du coup celui-ci même. Et du coup en fait j'ai pas décidé de poser celui-là, de le refaire, en espérant que cette fois-ci je me fais pas défoncer. Olé, doucement, calme-toi. Ah non, là j'ai grave souffert, je n'ai pas encore fini ce tableau là du coup. J'ai coupé avant de faire quoi que ce soit. Comment ça se fait que je suis pas... Ah oui, Uka Uka, AQ après tout. Putain, faut que j'arrête de confondre Uka Uka et AQ AQ. D'accord, c'est génial. A savoir que AQ AQ qui est le masque de Crash Bandicoot et Uka Uka le masque de Cortex. Oui, ce sont les noms à l'envers. Bande de petits génies, vous le saviez depuis le début. Donc... Voilà. Je disais donc dans ma toute première prise que vous n'avez pas pu voir parce que c'était vraiment du fail à n'en plus finir. Je sais pas, peut-être que je la mettrai dans un bêtisier, on verra. De toute façon, hein, c'est pas à force de perdre que ça va me faire plus rager que ça. Comme vous savez que moi je suis pas quelqu'un qui crise énormément dans le jeu. J'en reviens à ce fameux jeu. Quand vous finissez Stuntman Ignition sur PlayStation 2, eh bien vous pouvez tout affronter dans votre life, les gars. Et ceux qui savent de quoi je parle se disent « Oh, si tu as fini Stuntman, alors oui, aucun jeu ne peut te faire criser. » Voilà, mais fallait aller comme ça. J'ai failli tourbillonner, j'ai eu peur. Bon, c'est pas grave. Ce n'était qu'une vie, enfin je dis ça. Je n'ai perdu 12 à l'ancien niveau. Heureusement qu'il m'en faut des vies, de toute façon. C'est ouf. Alors, l'eau est vachement bien faite quand même. Hein. C'était de l'humour. Pourquoi je saute maintenant? Hop là. Voilà. Et pourquoi j'arrive pas à le faire d'un trait, ça, David? Pourquoi j'aurais pas pu le faire d'un trait la première fois, ça? Foutez de ma gueule. Voilà, doucement. Alors, du coup, ça, faut que je lui passe en dessous du bide. Voilà. Non, pas comme ça. Ouh ! Bon, merci. Ok, c'est génial. Ouais, j'aurais dû m'attendre à un truc bien pute. Ah là 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 là. C'est pas grave. Ne t'énerve pas. Le gros rage. Ne t'énerve pas, tu fais une vidéo. Alors. Ah, faut calculer en fait, c'est où je me prends les bats dans la gueule, ou je me fais cramer le cul. Là, j'aurais pas eu le temps. Allez, je vais tenter ma chance maintenant. Flamme de mes couilles, t'as intérêt à t'éteindre. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Lui, je lui passe en dessous du ventre. Comme je l'avais dit. Non, ça, c'est pas possible. Voilà, parfait. Alors ça, il faut attendre que les deux soient ensemble. Et là, les deux se reculent. Voilà, et on passe. Et on fait le checkpoint. Magnifique. Et là, on enchaîne sur les stèles rythmiques. Pourquoi je dis rythmique, je ne sais rien. Peut-être parce que voilà, 150 000 claques. Faut sauter. 1, 2. Noir, blanche. Blanche pointée. Croche. Oula, les vieux cours de musique qui reviennent en tête. Non, je ne fais pas les caisses à côté parce que j'ai perdu trop de temps dans la première prise et j'ai plus envie de les faire. Voilà. Vous voyez ces pommes là? Vous les voyez? Voilà, vous les voyez plus. Du coup, pourquoi j'ai tourbillonné dans les pommes? Putain. C'est génial quoi. C'est vraiment génial. C'est à se demander comment j'ai réussi à faire ce putain de niveau, franchement. Non, parce que là, vous me voyez avancer d'une traite et franchement, j'ai l'impression parce que là, je l'ai fait, mais avant d'atteindre ce checkpoint, j'étais déjà au moins à 8 minutes de vidéo. Comme je vous dis, plus les niveaux avancent, plus les vidéos seront longues. Hein. On avait l'habitude de voir les premiers épisodes de Crash
à 2 minutes et quelques. Là maintenant, vous étonnez pas si les, fins de stage mettent quasiment un quart d'heure, franchement. Alors là, c'était à ce niveau-là que j'ai pas arrêté de chier. Donc là, je vais essayer de faire quand même ces casses ici pour prendre au moins la tête. Le AQAQ, il va venir. Je me demande, attends, parce que ce jeu, je l'ai fini quand même, j'avais 7 ans. Je me demande comment j'ai réussi à le finir, ma parole. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà, j'avais 7 ans quand j'ai fini. Je me demande comment j'ai fait. Je sais pas si ma mère m'a aidé. Non, je pense pas. Autant Crash, elle a pu y jouer avec avec moi, mais son domaine, elle, c'était Tetris. Ah, vous moquez pas, hein. C'était une machine à Tetris, ma mère. Elle a fait friser sa Game Boy Pocket à l'époque. Ok, donc là je me suis chié, voilà, on va se calmer. Ouais, elle a fait friser sa Game Boy Pocket. Elle avait atteint le score de 9 999 000, enfin je sais pas quoi là, tout ce que tu veux quoi, enfin 999 999 999, voilà. Et avait fait friser du coup en atteignant, putain, je vais y arriver, le score maximum que pouvait autoriser la console. Donc du coup, voilà, elle avait fait friser la Game Boy. Ça m'avait assez impressionné. Et voilà, j'y suis arrivé. Et bien là, vous voyez, là, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai stoppé ma prise parce que j'étais arrivé à 12-13 minutes de vidéo et je m'étais mais complètement chié. Casse-toi, toi. Je prends mon AQAQ, s'il te plaît. Viens là. Voilà. Il est où, lui, là? Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, donc ça marche pas. Ok, bon, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'as un problème? Alors là, je vais attendre. Oui! Les trois d'un coup, magnifique. La batte. Hop là, voilà, la première, comme ça c'est fait. Ça me rapporte des pommes. Là il y a les flammes, là il y a les chauves-souris qui sont censés arriver vite. Putain, c'est pas vrai. Maintenant je pense. Voilà, je vais tenter ma chance maintenant. Wouhou. Ah ouais, elles mettent vraiment pas de temps pour passer. Mais franchement, non, sérieusement, j'avais beau rigoler en vous disant que l'eau était jolie, mais franchement, des décors comme ça, pour un jeu des années 90, franchement, mais ça inspirait le respect, franchement. C'est peut-être rien, là, quand vous voyez comme ça. Ça demande des heures de développement. Enfin, je dis ça. Je suppose. Waouh. Waouh. Une tête de néocortex. Oh, putain, ça, c'est les gros final stage. Ok, bon, mais tant pis. Ça ne se fera pas, c'est pas grave. Ah, le fail. Alors, voyons. Waouh. Comment on fait? Alors attendez, là, laissez-moi observer. 3, 4, 2. 2 qui se baissent, 1 qui arrive, 2 ensemble. Si j'arrive, le 2 me... Non, je crois que c'est maintenant, voilà, c'est ça. Ok, les 3 d'un coup. Ok, c'est bon, allez, go! Waouh! Oh, je suis en boule bugger. Attention, je vais être en invincible. Je vois pas trop à quoi ça va me servir. Ah non, mais non, je suis con, c'est au bout de 3, là, maintenant, je l'ai endoré. La tête. Hop, le check. Hop, le mister. Putain, ça... Voilà, les caisses mystères à une pomme. Putain, vois le truc. Alors là, j'ai un sol en dessous. Les 4 arrivent d'un coup. C'est maintenant. Alors là, faut que je fasse gaffe en fait à ces caisses-là, parce que, étant gosse, je me suis fait avoir. Quand la caisse de métal vous retombe sur la tête, vous crevez. Parce qu'on est habitué avec des crashs que lorsqu'un ennemi nous touche, on meurt. Sauf que là, ça nous tombe dessus. C'était assez nouveau. Non mais ta gueule, arrête de faire ça. Ok, donc là, ça va se... Ouais. Bon, ce sera le prochain, je pense. Ah non, bon, je pense que j'aurais pas eu le temps. Là, maintenant. Bref, c'était pas à faire. Oh, bordel. Alors. Non, là, j'aurais pas eu le temps. Là, ça arrive maintenant. Go! Est-ce que ça... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, moi, j'ai une tête. Alors, réfléchis. Alors, voyons. Attends, on va voir. 1, 2, 3, 4. Ça dure 4 secondes. 1, 2, 3. Même pas 2 secondes, ça dure. Voilà, j'aurais pas eu le temps. Là, j'aurais pas eu le temps encore. Je crois que le prochain, c'est bon. Wouhou! J'y suis allé en espérant juste toucher une stèle, tu vois. Vous voyez? Enfin, je voulais rien faire d'autre. Je me suis dit, en espérant, on va voir. Hop là!
Une tête, non, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie, désolé, une prochaine fois peut-être. Un checkpoint, ça par contre je veux bien. Bon, allez, là je suppose que c'est au sommet quand même le truc. Putain, ça fait vachement long pour un stage. Je me disais, mais pourquoi on met tant d'heures à finir un crash? C'est pas à cause des fails, parce que même si t'y arrives, mais les tableaux sont vachement longs en fait. C'est vachement long. Oh là là, la violence. Bon, ben ce sera pour une autre fois. J'ai raté le bus. Fou. Voilà. Ok, ok. Non, c'était calculé. Hein. Vous en faites pas. Vous avez affaire à un vidéotesteur professionnel, je vous rappelle. Tout est encadré par une équipe de professionnels et tout est sécurisé. Ne vous en faites pas. Jean Bear Grylls, quoi. Man vs. Wild. Ça pourrait être un bon Man vs. Wild, Crash Bandicoot, en fait. Hein. Parce que quand même, faire front comme il fait. Me mettez pas un autre méchant, je vous en prie. Là, j'en ai marre. Je veux que ce niveau se finisse. On est à plus de 10 minutes. Or, j'ai pas plus chier que ça. C'est pas vrai. Ok, donc si t'arrives dans la... Me dites pas que... Attends, je redescends. Ouais, bon. Ouais, ça va encore, ça va. Je pensais en fait réapparaître d'en bas et finalement, je c'est véridique. C'est génial. Alors, tu redescends. Voilà, alors. Tac, 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 tac. Ok, lui comment on le tue déjà? En fait faut lui passer dessous. Et je me rappelle pas comment on le tue. Je sais pas, je me rappelle pas. Peut-être l'attirer. L'attirer, lui repasser dessous comme j'avais fait l'autre fois. Non mais c'est ouf ça. Faut que je le fasse à chaque fois ça pour que... C'est chiant. Foutez de ma gueule. Ah, c'est toujours la première en fait. On a l'impression qu'elle te feinte un peu. Tu sais, elle part plus vite que les autres. Genre tu veux m'avoir? Eh ben non. Alors, est-ce que tu vas me suivre? Oui, tu me suis. Oui, t'es en train de me suivre, hein. Tu me suis encore? Oh non, tu te fous de ma gueule, me dis pas que... Comment je fais? Bon alors, je vais essayer de lui tomber sur le dos. Attention. Ok, bon, vous me le rappelez, hein. C'est sur le dos, ces merdes-là. Oh, c'est la fin, oui, oui. Enfin, c'est fini.